Ça filme ou pas ça? Ouais. Salut à tous, ouais, bonsoir. Du coup, je vous tiens au jus comme prévu à propos de cette enquête là, à propos de la disparition de Mathieu et Maxime. J'ai un peu enquêté de mon côté, j'ai été viré de mon boulot parce que j'y suis pas allé aujourd'hui. Et j'ai passé toute la journée à enquêter sur les théories que vous m'avez proposées. Il y en a eu quelques-unes intéressantes. Je vous remercie d'avoir participé à l'enquête. Donc c'est vrai qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont proposé pour ce qui est du pseudo de la personne qui a pris la photo, le fameux Incan. Alors vous avez été plusieurs à me dire que ça pourrait peut-être être... Merde. Que ça pouvait peut-être être Quentin. C'est une sorte de palindrome, quand on met les lettres dans l'ordre, ça fait Quentin. C'est pas bête. Ah bah ça c'est un sacré hasard, puisque pendant que j'étais en train de vous parler, il vient de me laisser un message vocal. Qu'on va écouter ensemble après tout. Reçu hier à 16h31. Allô Gwendal, oui c'est Quentin. Alors c'était... Bon, j'avais remarqué que tu m'avais appelé à peu près 300 fois en l'espace de 48 heures. Donc je comprends très bien pourquoi. Alors déjà, pour répondre à ta question, est-ce que c'est moi qui ai enlevé Maxime et Mathieu qui a installé dans les gens en ouvrant le gaz et qui les a tout simplement et qui a laissé beaucoup de traces de sang sur ta page? Ce n'est pas moi, tu me connais, tu sais que c'est pas du tout le genre de... Enfin tu me connais, ça fait des années qu'on est amis, des gens que j'adore, pourquoi je connais des choses de... Parce que c'est délirant, c'est... Bon bref, donc de toute façon... moi j'ai rien à me reprocher, je suis blanc comme neige, comme dirait l'autre, à tous les niveaux, enfin, je suis complètement imberbe de toute forme de crime quel qu'il soit, j'aurais rien fait. Et arrête de m'agresser, c'est toi qui m'agresses, de toute façon, c'est toi qui est dégueulasse avec moi. T'as même pas laissé dormir dans l'espèce de 48 heures, je t'ai pas répondu parce que j'ai une vie, moi j'ai autre chose à faire, moi j'ai pas... Ouais, ils ont disparu, ils ont... Tu connais pas ça autre chose, tu sais, c'est la mort, c'est une vraie différence quand on y pense, tu sais. Voilà, c'est une vraie délivrance. Tu devrais être content pour eux. Voilà. Bon. Donc, prends ça pour un conseil d'amis. Voilà. Bon. Et marche à l'ombre, surtout. Allez, ciao. C'est bizarre. Ça filme ça ou pas là? Oui, yes. Les amis, des nouvelles dans l'enquête sur la disparition de Mathieu et Maxime. Vous savez, bien sûr, cette enquête qui me prend depuis quelques jours déjà et dont vous m'avez largement aidé. J'ai reçu aujourd'hui ceci à mon courrier. Je pensais que c'était le nouveau numéro du magazine Chasse et Pêche auquel je suis abonné depuis 2004, mais pas du tout. Quand je l'ai ouvert, quel ne fut pas mon désarroi lorsque j'ai découvert ceci, mes amis. Et oui, c'est bien ce que vous croyez, un code secret que je ne puis lire puisque je ne connais pas cet alphabet. Voilà, je pensais à une langue étrangère, je pensais à du taïwanais ou du javanais peut-être. Mais rien de tout ça, j'ai regardé sur Google Traduction. Là, j'étais bien embêté, je ne savais pas quoi faire. Heureusement, j'ai des contacts à la CIA de la France, comme je vous le disais. Et ils m'ont envoyé ce code. C'est un code très connu qui a été utilisé par des meurtriers très énervés. Et là, ils m'ont envoyé ceci. Et grâce à ça, j'ai pu résoudre le codex, bien sûr. J'avais la solution sous les yeux. Je vous le lis. Rendez-vous à Canet demain, connard. Eh oui, demain, connard. Voilà une date qu'il fallait que je retienne. Et il y a marqué en plus le ravisseur. C'est signé. Ah, il n'y a plus de doute. La suite de mon enquête m'amène à Canet demain. Là, j'espère les retrouver. En tout cas, faire un grand pas dans cette histoire. Allez. Au revoir, les potes. Yes. Salut, on se retrouve une fois de plus. Là, je sais pas si vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. Pourtant, on n'est pas au Mont Ventoux. Voilà, je fais un peu d'humour pour désamorcer la situation parce que, en vérité, c'est assez grave. Bon, là, on m'a donné rendez-vous ici, mystérieusement, j'ai envie de dire, pour retrouver mes deux camarades. Et là, l'ennui, c'est que, comme vous voyez, c'est vide. Et bon, je vais avancer, je vais essayer de découvrir et qu'est-ce que c'est que cette affaire encore. Regardez-moi ça. Si on voit ce qui se passe là. Il y a une affaire. Ça rentrait discrètement, mais attends, mais je le connais celui-là. J'ai cru que c'était un professeur de tai chi, mais pas du tout. C'est Quentin. Qu'est-ce qu'il fait? Merde alors. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade encore une fois? Mais je sais pas ce que je crois. Ça ressemble beaucoup à ce que je crois. Tu les as hypnotisés avec une magie noire vaudou.
sur marabouté. Parce que tu es en train de faire. Et toi, tu fais quoi? Je comprends pas. J'ai fait 4 ans de garde la garde. Allez, hop, ça dégage. Elle est où ta voiture? Bah elle est où sa voiture? Les gars! Je crois que je sais où elle est la voiture. Eh mademoiselle! Eh t'as vu la caisse de malade ou quoi? Tu veux que je rentre quelle destination en GPS? 7ème ciel direct? Mais fils de pute! Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.